Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Deval. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon très cher docteur Ministère. Et Bonjour. on est sur Apérophobia. On va pleurer. Let's go! En vrai, ça va. Attends, le niveau 6 et le level fun, j'ai vraiment chialé. Et une chiasse extrêmement molle après. Bah, Mais je pense. on l'a fait Après, les deux. je pense. Après, je pense que les autres ni. Oh! The hand is near. Oh non, non, non! La dépression nerveuse! Arrête! Non! Oh non, pitié quoi. Oh, vraiment, frère, j'ai pas envie de refaire la dépression nerveuse. J'aurais envie de On chialer. J'aurais passe cette encore une séquence. Ouais, c'est bon, je. Non, c'est bon, je passe cette séquence. Je ne veux pas faire de blague! Pas sur la chose qui risque de faire strike ma chaîne définitivement. Parce que la loi Copat, c'est mort, tout le tralala Oh oui, c'est anti-raciste, vrai! On etc. n'a plus le droit de dire d'insultes! Même un mot qui commence Mais dans par tous les cas, M et qui finit par E. on n'est pas monétisé. On s'en fout. Ah bah ouais. Allez, nique sa mère. Eh, Allez, attends, hop. ça a changé, gros! C'est Astaghfirullah, pas non. pareil! Ils ont changé les Non, niveaux! Astaghfirullah. Astaghfirullah. Non, frère, tu mens. Non, mais je te Oh jure, c'est pas putain, mais. pareil! Mais putain, mais t'as raison. C'est bon, j'ai trouvé les flèches. Viens, viens, comme. Hier, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Non, mais. Oh, j'ai trouvé la boule! Non, mais. Non, mais mec, c'est pas ça qu'il faut. M'en fous. Dépêche-toi, j'ai trouvé la flèche. Mais t'es où? Attends, putain. Mais je suis là, là. Ah, allez. Allez, hop, on va suivre la flèche avant de se faire soulever par le monstre appelé Bactéries. Ceux qui connaissent bien les backrooms connaissent. Ceux qui connaissent pas, ben désolé pour vous. Vous loupez votre vie. This way, voilà, this Non, way. mais On dis-moi, va non, faire c'est pour. une question! C'est pas là! Ouais, ben, considère ça comme là. Je pense Ah, que. j'avais oublié que les personnages ils étaient asthmatiques. Hein? Putain! Ah! J'ai trouvé une échelle. Oh, tu m'as fait peur, frère. On a trouvé une échelle. Tu penses que c'est quelque part par là? Oh, je crois vraiment que, frère, avant le niveau 0, comment le EZ, Ah là! frère, Par contre, que t'as trouvé? j'ai fait un de ces cris virils, mon gars, avant. Par contre, vraiment, frère, et avant, on EZ le niveau en même pas 30 secondes, Et là, imagine le dans niveau ouais. de la piscine, il a changé, gros. Oh putain. Non, il a pas changé, Gros, le j'ai refait monstre, il est hier. pas loin. Non, non, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, tu mens, tu mens, tu mens, c'est pas possible. Il est loin, il est loin, il est loin. Et putain de personnage asthmatique de merde. Arrête! J'ai entendu J'ai parler. trouvé la flèche, j'ai trouvé la flèche, j'ai trouvé la flèche. Vite, vite, c'est où après? C'est où? Emmène-moi à la sortie. J'ai trouvé la flèche, j'ai trouvé la flèche, Inch'Allah, Inch'Allah. Bah moi j'ai trouvé la Allez. sortie, c'est encore mieux. Ah si, c'est bon, je t'ai retrouvé. Bah en fait, j'étais un peu à l'opposition. Mister, Mister, Mister Beast. Attends, oui, Allez hop. oui, Non, c'est oui, moi. trop tard, je suis passé devant. Salaud. Salopette. Alors. Par contre, il faut se dire quand même quelque chose. La grotte, on va pleurer. Parce que tu te souviens de la sortie introuvable. Mais oui. Ben, oh non, oh, c'est la piscine, non, d'accord. Ouais. En fait, je crois que ce niveau-là, c'est un niveau, c'est deux niveaux mélangés en fait, si tu suis bien les backrooms. Donc il y a les pool rooms qui sont niveau 200 à peu près, et là on est au niveau 2 directement. Donc ça veut dire que le niveau 2 relie directement les pool rooms. Wouah. Dans l'univers des Je pense. Pérophobia. Dans l'univers d'Apérophobie, bien sûr, parce Au que dans les gros. vrais backrooms. Non, y a rien. Tu mens, y a rien. Tu mens, arrête, arrête. Tu sais que j'ai. Eh frère. Parle pas de trucs comme ça me fait rep. T'as vu quoi? T'as vu quoi? Eh, dis-moi ce que t'as vu. Raboul. Vraiment, je sais. Oh, Jésus. Eh, frère, fais pas des peurs comme. Waouh. Oh fuck. Oh non. Quoi? Ah non, j'ai rien dit. Frère, tu te souviens? Je fais les vals, tu me distrais? Non, viens, on change de strat pour une fois. C'est-à-dire, genre, Bah, on juste fait on les fait deux. chacun les valves. Oh, vas-y. Les valves d'un autre côté, let's go. La 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 la. J'adore nager dans l'océan. La 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 la.
Par contre, je vais t'avouer que je me sens pas très bien avec Boulroom. Pour une seule raison, c'est que le monstre à tentacules, je l'aime en, pas trop. En mode taf, le Yamete Senpai. C'est ce que j'allais dire. Et le pire, c'est que je vais forcément faire découvrir cette magnifique vidéo à ma petite amie. Voilà. Donc du coup, elle va y penser fortement, je vais y penser aussi, on va rigoler comme des cons tous les deux sur notre banc. C'est largement possible. Arrête maman, j'ai peur. Oh putain. Oh, y a un banc là. Oh sous l'océan. Vraiment, on est des gogoles quand on est tous les deux. Arrête on a... Oh putain, il a fait un bruit. Oh, y'a un bruit maintenant. Faut savoir quand c'est ouvert. Oh là, ah, c'est ouvert? Bah oui, c'est ouvert, gros. Ah, attends une minute, je vais remettre. Alors, on en parle que j'ai repris ma respiration sous l'eau. Ou pas? Je suis. C'est un poisson. Il s'est fait pousser des branchies, frère. Ouais. Donc là, c'est bon, on peut sortir là. Bah oui, mais moi je suis déjà sorti, gros. Bah alors, comment ça se fait que. Alors, comment ça se. Oh, y'a la boule. Hop, je prends la boule, je sais pas à quoi ça sert. C'est hop, mon personnage il a un achievement. Mais je l'ai déjà. Mais ah bah, on a déjà collecté tous les achievements. Je t'attends ou quoi? Attends une minute. Non, vas-y, dépêche-toi, il est là, il me suit. Et mon personnage est asthmatique. Voilà. Non. Oh. T'as eu de la chance, hein. C'est que au début, je marchais sur le mur, gros. Et après, je me suis dit, oh, j'ai pitié pour lui quand même. J'ai senti son souffle sur ma nuque. Bonjour madame, vous pouvez offrir le rideau de douche s'il vous plaît? J'aimerais discuter un peu avec vous. Je suis pas pervers. Voilà. Par contre, j'adore les personnages quand ils font les mouvements, ça tue. Oh, d'ailleurs, frère, tu me donneras cette map sur Gmod, je sais pas comment elle s'appelle, mais je la cherche. Bah, je te la trouverai. Merci, mon ref. Tu sais, c'est on y jouera les deux. Liminal Space. Ouais, vas-y. C'est la map un peu Liminal Space, là. Bah oui. Tu es tombé. Comment as-tu survécu en tombant de plusieurs kilomètres de l'eau? Je me demande. Allez, on skip, on a déjà vu tout ça. Nous, on fait une vidéo speedrun, on s'en fout. En tous les cas, je suis pas monétisé, je peux dire autant de gros mots que je veux. Voilà, bas les couilles. Je le redis encore, bas les couilles. Voilà, tu vas faire quoi, YouTube? Tu vas rien faire du tout. C'est meilleur le temps que ça charge. Pardon. Et tu me procures. Non! Non, arrête de siffler. Non! Wesh, la typose, gros. Oh, j'ai senti son gros cul là, elle a fleuri le visage. Oh, au début, j'ai une typose, gros. C'était un chien de chasse, frère. Il était dans le mur, il montrait que son cul. Oh my god, c'était beau. What are you doing? J'ai fait siffler. Et des autistes, frère. Frère, par contre, à quel moment t'appelles ça un chien de chasse? Je suis désolé, j'ai déjà vu des chiens dans la vie. Ça ressemble pas à beaucoup ça. Plus beau, hein. Oui, alors, frérot. Bien ou quoi? Ying Chong Nam est de retour. Bon, je peux faire un bisou? Voilà. J'ai bouffé le cul, gros. Oh my god, he's the key, bro! Look what I found! Oh frère, on est des gogoles qu'on est entre nous, mais c'est un truc de fou! Ok. Oh my god, bro! It's so big! Let me find the key and I will show you the way. Ah, j'ai trouvé une clé. T'as trouvé combien de clés? Une. Ouh, je cours. Ah, fou.
je reçois des snaps en pleine vidéo, je pense que c'est ma petite amie, j'ai envie de lui répondre, mais en même temps je suis en vidéo et en même temps je vais. En même temps j'en ai rien à branler. Ouais. Par contre je me demande à quoi sert les casiers alors que t'as seulement un respect accroupi. Hein. Wesh moreur, ça va tranquille comme il faut. Petit bisou. Arrête de me renifler, j'ai pris ma douche. Non mais oh. Wesh mon ref, ça va? Tranquille. Oh arrête de me renifler, j'ai dit que j'avais pris ma douche. C'est pas un pouilleux quand même. Oh putain. Ah non, c'est bon. Je suis sûr que ce bâtard il va arriver par l'arrière et il va me fumer. Je crois qu'il est proche. Je suis pas sûr mais j'entends son gros reniflement là. Par contre, je sens qu'au niveau 6, on va chialer. Hein. Oui. Oh my god! Easy! Hello, my brother. Un kill. My hey, oh, calme-toi là! Qu'est-ce qui se passe si. Oh, j'ai envie d'ouvrir un tiroir devant lui. Oh gros, il t'a fait un smack. Vraiment on est des bâtards avec lui quand même. Moi je dis en vrai on devrait lui donner qu'il sente bien. Arrête gros. Oh wow. Imagine tu siffles là. Nice ass you got there. C'est bon. There is no sing. Est-ce que tu peux la tirer dans un coin pendant que je fouille le dernier tiroir, s'il te plaît? Voilà. T'as trouvé combien de clés? Bah une et toi deux. Donc on en a trois par déduction. Donc par déduction, je penserais qu'il nous en manque une dernière afin de gagner. Mais t'es con toi? Bah quoi, y a que payer. Oh my god! Mais non, il y en a 3 gros. Ah. Alors toutes mes craintes s'envolent. Joue celui du milieu, tout celui à droite et gauche. Passer entre ses jambes, frère. Et pourtant, je suis pas de michto. Je vois ça. Tu te rends compte? Arrête de me lécher le cul! Step monster. Putain. Ouvre le dernier, putain, accélère! Ouais, bah c'est bon, hein! Voilà, allez hop, ça dégage. Hop, pro parcours. Outi. Ah non. Allez, hop. Est-ce que le monstre peut aller non. Dans les pièces? Non. Ok, bah ça déjà on est fixé là-dessus. C'est quand même quelque chose de bien. Attendez une minute, je veux vous prier. L'irrespect carrément, tiens, pour le monstre. Ah là. M-E-Y m'envoyer un message. Pareil. C'est. Putain de merde, qu'est-ce qu'elle veut encore? C'est très bon. Personne beau. N'ose. Comment ça c'est. Elle t'a envoyé quoi? Je te montrerai. C'est pas des choses qui se montrent en vidéo. Non, dis-moi pas. Non. Non, mais c'est drôle. Ah, j'ai peur. Putain de merde, va! Mais... Ah mais... Ah frère... Oh je vais péter un câble dans ces putains de... Salope... Ah je suis en train de... mourir... Dans ma propre... chiasse au milieu de casier... Par contre j'ai le son à fond frère...
pas de dinguerie. J'ai vu aussi. C'est magnifique. C'est de toute bonté. Eh, par contre, vraiment, frère, ces boutons, il y en a combien en fait au total là? Parce que ça se trouve, je suis allé dans une pièce qui sert un peu à rien. Il doit y en manquer un. Hein. En tout cas, à mon avis, j'ai tout activé et tout, t'as rien branlé. Non. Ouais, il est coincé dans une porte, ce con. Coincé in the door. Ça y a coincé in. Oh! Pas trop. Toi, t'as rien branlé, gros. Mais ouais, moi je suis un. Moi, c'est tout ce que je suis un chômeur dans la vie. Pas doué d'une conscience très intelligente, globalement. Mais je sais que je peux servir à des choses parfois. Non, t'as pas le droit de venir là. Tu rentres pas dans les pièces, t'es pas codé pour. Eh, vraiment, arrêtez de siffler, sinon je vais refaire une dépression nerveuse. J'en ai trouvé un. On a fini alors. Alors non, mais il en reste, on est d'accord. J'ai fait tout le tour, hein. Sauf à droite là où t'es, je pense. Rentre ta mère. Ok, ça va. Ouais, vraiment, le bouton qu'il y a dans cet endroit, je ne sais pas, je ne vois pas. Mister Beast. Putain, laisse-moi rentrer. Ah, vraiment, il a la musique dans la tête. Ça me fume. Je suis perdu, je crois, mec. C'est entre des casiers. Ah non, c'est bon. T'as fait la salle qui est juste à ma droite? Ça là? À ma droite. Oui, je crois. Je vais vérifier. Vraiment. Ah si, celle-là, je l'ai faite. Hello, mais t'as rien trouvé. Oh, nulos, quoi. La. Ah, il y a un petit bug de texture ici, mec, regarde. Ici, ça... Petit problème dans la maçonnerie. Ah oui. J'ai pas si... Ah ouais. Moi, je m'en bats les couilles, je cours. Putain, j'ai eu la chance de m'arrêter de courir, moi, gros. Tu m'attends, hein. J'ai peur. Pour descendre, oui, parce que... Ah, mais je suis con, y'a rien de... Alors si, il arrive au bout d'un moment. Hein. Comment ça? Attends, tu vas me dire, il descend? Bah, au bout d'un moment, oui. Mais c'est une salope! Mais il a pas le droit de faire ça! C'est une technique de speedrun que je vous donne, là, les gars, c'est cadeau. Ah, mon personnage asthmatique, je ne vois plus rien. Voilà. Eh bien, ça va faire 20 minutes. Eh bien, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va tourner l'épisode de ce pas pour vous montrer plus d'informations sur ce jeu absolument génial appelé Apérophobia et un peu stressant de temps en temps. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. C'était Docteur Magistère. Ciao. Out. Et bah, du coup, non. C'était M. Deval, bah, ciao.